Poufou fiotu, poufou flia, poufou fromain. Poufou. Il y a tellement de bordel. On est sur Star Citizen, lien dans la description, faites-vous rêver, on profite des journées d'essai gratos pour se faire un peu la main sur le jeu. Romain sera donc notre professionnel du jeu, Lia et moi on découvre tranquillement, comme d'hab, commentaires, on échange, on interagit, on est avec Twitch. Voilà, les abonnés préférés, et puis en l'occurrence ils sont venus nous montrer quelques vaisseaux. Alors, c'est la partie 2 de la partie 1, donc allez mater la partie 1. L'idée c'est de ces deux vidéos, c'est comment gagner de l'argent sur Star Citizen. Et comment fonctionnent les missions de livraison. Donc petit récap rapide pour ceux qui ont la flemme d'aller mater la vidéo 1. Contrat manager, on a accepté un contrat de livraison. On devait récupérer 3 colis, numéro 260, 604 et 260. À Shibun Mining Facility sur Calliope. Donc on est sur Calliope actuellement, je vais vous montrer après. Et on doit les livrer, un sur Microtech, un sur Stunning Mining Facility, numéro 22, et un sur Stunning Mining Facility, numéro 13. Lia, tu peux me dire les numéros qu'on a ici, s'il te plaît? Les numéros d'où? Des colis. Alors, les numéros des colis, je vais te dire. Ouais, pour qu'on sache où on va. Vas-y, je vais noter. Et toi, Romain, bah regarde bien où tu vas. C'est quoi les derniers numéros, là, des colis? Les deux derniers. 916 et 701. 701 et 916? Ouais, c'est ça. Ok, donc du coup, on a le premier et le dernier. Romain, toi, t'as celui du milieu. D'accord, ouais. Donc toi, Romain, tu dois aller sur Shubbing Mining Facility SM0222. Et nous, on doit livrer Landing Pad Lockers et Shunning Mining Facility. Ça marche? Ok. Donc on va commencer par Landing Pad Locker on Microtech. Donc il faut aller Microtech et... Moi, je dois aller... Tu m'as dit... Oh merde, regarde le bazar qui s'est posé à côté. J'ai pas vu, mais... Vas-y, fais F4. Ah mais je peux pas. Ah oui, le carac, c'est le vous, carac. Vous avez 1 million d'euros devant les yeux, les gars. 1 million d'euros. 26 millions. 26 millions d'euros. 26 millions. Mais pas d'euros, mais 26 millions. De dollars. Parce qu'on peut acheter des vaisseaux avec de la vraie argent. Tu m'as dit que c'est lequel que je dois aller livrer, moi? T'as celui du milieu, toi. Celui du milieu. Évidemment, plus c'est gros, plus t'as de place, plus t'as de sièges. Là, Lia, elle est obligée d'être debout. Si on avait un énorme vaisseau, elle aurait pu être avec moi, j'irais des trucs, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt sympathique. Est-ce que le jeu sera en français? J'en ai aucune idée. J'ai pas cette info. Romain, t'as cette info ou pas? Je sais pas du tout. Mais je pense que oui, à terme, il sera traduit en français. Je vois pas pourquoi ils le seraient pas. Ok. Alors... Jusque-là, c'est pas leur priorité. Ils ont bien d'autres choses à faire que traduire le jeu en français. Alors, on va noter. Nous, on doit aller sur Microtech. Ouais. Là, tu vas regarder sur F2. Landing. Ouais. Locker. Bah attends, c'est plus simple si c'est moi qui fais F2 et toi qui fais F1 pour me dire où on va, s'il te plaît. D'accord, vas-y. Attends, ouais, je me remets sur F1. Vas-y, vas-y. Moi, tu m'as dit, du coup, c'est le deuxième de la liste. Attends, je vais te le redire. C'est le deuxième de la liste, ouais. Nous, on fait. Donc, Shubbing Mining Facility, SMG22, on Microtech. Ouais, c'est ça, toi. Donc, nous, le premier, c'est un Landing Pad Locker sur Microtech. Ok, alors attends, Microtech. Donc, Microtech, c'est ça. Microtech, c'est ça. Du coup, je dois zoomer sur Microtech. Et tu vas voir Landing Pad Locker alors? Et quand, non, quand... parce que c'est des trucs, il y a marqué Drop Off Package. Ah, ok, j'ai vu. Et t'as des numéros derrière. Mais par contre, à quoi correspondent les numéros? Ça, j'aimerais bien savoir comment on sait quel collier et quel numéro. Nous, on a 701 et 916. Ah ouais, nous, on a... Moi, j'ai 4... Ouais, c'est ça. Là, 701, là. Là, ouais. On doit aller ici, là. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est okay. Repère. Cette route... Donc nous, on va sur Microtech, on va livrer le 701. Okay, moi, il est derrière, Lia, tu m'as dit? Ouais, il est derrière. Allez, let's go. Je vais revérifier histoire d'être sûr. C'est un peu le bordel, je trouve, pour savoir où on doit aller. Vous m'excuserez pour les puristes du jeu, mais je trouve que c'est... c'est un peu le bordel quand même. Bon, dans tous les cas, faut qu'on retourne sur Microtech. Donc j'ai cette la route. Du coup, maintenant, j'appuie sur F2. Évidemment, il va falloir décoller, tout ça. Vous connaissez la chanson. On check vite fait un peu autour, parce qu'on est pas mal à avoir ramené nos vaisseaux. Bon alors, vous voyez la taille de mon vaisseau par rapport au sien, là, concrètement? What? Ouais. Ça, c'est du bazar. Salut, Anakin. Bisous, Anakin. Nous, ça va être beaucoup plus long et beaucoup moins impressionnant, je vous assure. Nous, c'est éclaté, le nôtre. Mais il coûte aussi beaucoup moins cher. Alors, power on. Voilà. Ouais, il y a une erreur, c'est pas grave. Rassurez-vous. Engine on.
Ok. Y a personne au-dessus de nous là ? J'appuie sur espace. Non, c'est bon. Vas-y. Attends. Il y a un truc qui s'est mal passé là. C'est espace. W. Tu vises au milieu, W. Waouh. Ah ouais, ouais, ça a été chaud. Le décollage a été vraiment compliqué. Ok. Tranquillement. Voilà. Donc là. Ah, je vous ai dit que ça serait beaucoup moins impressionnant que le collègue. Donc là, on est en train de se barrer de cette planète quasi inhabitée, on va dire, ou en tout cas habitée à des fins de recherche. Je sais pas, parce que de toute façon, Romain, c'est censé être notre professionnel du jeu, mais comme vous l'avez critiqué, il veut plus rien dire, il veut plus nous aider. C'est ça. Donc c'est maintenant, j'appuie sur N, je rentre les patins. L'animation est quand même bien stylée, faut reconnaître. J'appuie sur F4, j'appuie sur W, je vous dis tout le temps ce que je fais, comme ça pour les nouveaux joueurs. Pour vous, je pense que ça sera quand même plus stylé plutôt que de pas trop savoir ce qu'on fait. Alors attends, je dois aller où là du coup ? Là, je dois aller là-bas, je pense. Attends, on va monter en altitude. ArcCorp ? Je suis perdu là. Ouais, moi aussi. Il y a plein de trucs et comme on a deux colis chez nous et deux colis chez Romain. Faut quand même que tu mettes un petit point. Bah, j'en ai mis un normalement. Attends, on va. Déjà, faut que tu quantum jusqu'à Microtech. Ouais. Et après, tu pourras plus facilement quantum directement sur le point que tu veux. Ah, Microtech, il est là-haut, c'est ça, Microtech ? Ouais, s'il faut suivre. En fait. En fait, je crois que tu as la vue de toutes les galaxies, c'est ça ? Je sais pas du tout où est Microtech. On est sorti, on est en train de monter en altitude. Je vois pas où t'es. Attends, c'est quoi tous ces curseurs là ? Attends, désolé. Les curseurs de tes colis que tu dois avoir. Désolé pour ceux qui sont en train de vomir. Ah, je vois où t'es, Romain. Mais t'es encore en bas, toi. Non. Non, il est de l'autre côté de la planète. Peut-être. Ah, t'es de l'autre côté de la planète. Tour. Fais B. Ah, c'est un vaisseau qui est là-bas, la lumière bleue. Attendez. Ouais. Fais B. Il faut que tu quantumes sur un OM. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui erre au-dessus là ? C'est un vaisseau, c'est ton scan en fait qui fait ça. Enfin, ton scan, c'est ton truc. Ouais, mais c'est un vaisseau qui est mort ? C'est un vaisseau qui est éclaté, mais si ! On y va direct dessus là. C'est le carac de tout à l'heure, je pense. Non, impossible. Bah, si, c'est le carac de tout à l'heure. Peut-être qu'on y va dessus là. Non ? Ah, oui, c'est lui, oui. En fait, C'est pas passé loin. C'est dessus, quoi. Dab. Ouais, merci. Voilà, ça c'est avoir des couilles, mesdames et messieurs, vous avez vu ? Voilà, ça passe. Au pire, on aurait fait un peu de carrosserie, voilà, ça se fait. Ah ouais, c'est vrai, faut appuyer sur K, vous avez raison. J'appuie sur K. Voilà. Ça c'est plutôt stylé quand même, on va pas se mentir. Hein. Je vais m'asseoir derrière, parce qu'apparemment quand tu fais un quantum là... Vas-y. Tu risques de... Va t'asseoir. Appuie sur B, déjà. Non, je sais pas où je vise, là. Donc t'appuies sur B. Mais pourquoi sur B ? Pour pouvoir... Que tu vois les points de quantum disponibles, et comme ça, Ok, j'appuie sur B. Et comme ça, tu quantum sur un OM. Mais... Ah, t'as déjà fait une route. Attends, quantum drive sur Microtech, c'est ça Microtech ? Mais tu peux pas, parce que c'est ce que je te dis. Faut que tu quantumes sur l'OM de la planète pour pouvoir faire le tour de la planète. Ah. Ah bah ça me dit pas comment le faire. T'as un trajet là ? Non. T'as pas un trajet défini ? Bah normalement si, j'en avais un. Attends, qu'est-ce qui s'est passé ? Allez, je fais F2, clear route. Clear route, ok. Ok, maintenant tu reviens en jeu. Ouais, j'y suis. Tu refais B pour avoir des trucs qui s'affichent. Ouais, donc nous on est là, nous on est sur Cassiopée là. Ouais, nous ce qu'on veut c'est se barrer de Cassiopée. J'ai pas de route pour le moment. Ouais. À la limite. Et donc qu'est-ce que je fais là ? Pars de la map, reviens sur dans ton vaisseau. Ouais. Appuie sur B. Ouais. Là normalement tu cherches OM3, tu dois en avoir un. Je crois que c'était OM3. OM3 ? Mais ton B il marche plus là. Parce que t'as aucune planète qui s'affiche, t'as rien qui s'affiche. Là j'appuie sur B là. C'est B, c'est le truc. Voilà. Ah là c'est bon. Et maintenant tu cherches un OM3 pour faire le tour de la planète.
Ça va être en bord de planète. Cherche pas ici. Ça va être en bord de planète. C'est un petit point, un petit losange. Un petit losange, genre ça, là-haut, là. Genre ça. Arrêt. Non, ah. non. Après, tu peux... Ouais, non, ça va faire loin. Là, c'est quoi? OM3, ok, j'ai. Là? Ouais, ah ouais, en gros, ouais, faut d'abord chercher en fait, un truc loin. Oui, c'est ça. En fait, les OM, c'est des points d'axe, c'est des axes des planètes. Et ça te permet de faire des tours. Ah ouais, c'est bon, on est ensemble, regarde. Chaque planète a des OM, genre... Oh hein. Attends, on va toucher, on va toucher. Non... Ah bah si. 3, x, 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 x... Ah, c'est bon. Si, mais il est en totale déviation, le poteau, là. Je sais pas, il y a une partie d'Among Us dans son vaisseau, là. Non, c'est... c'est toi, t'as le C. T'as le C, David. T'as le... Le truc accélère tout seul. On a failli faire une game d'Among Us avec le poteau là. Bon, posez un pouce bleu parce que je vous dis, sinon on va jamais y arriver. Alors, maintenant je fais F2. Du coup, je sélectionne Microtech. Microtech et nous. Cette route. Tu fais Microtech cette route pour le moment et tu verras tout à l'heure pour le reste. Ok. Cette route tout Microtech. Ok, cette route tout Microtech, it's ok, it's ok. Ah, tu peux lancer le quantum. Ouais, faut que je cherche au Microtech aussi. OM01. Non, c'est bon. C'est là, pas OM01. OM1, voilà, ah si, c'est ça. OM1 pour aller vers Microtech. Là, tu dois... En fait, tu dois faire le tour de la planète. Donc, prends OM1. Ouais. Quand tu fais cette route, en fait, ça affiche que le trajet qu'il faut te faire. Genre, normalement, là, quand tu fais F2, t'as marqué en haut. Tu dois faire d'abord OM1, puis Microtech. Attends, où c'est que c'est mis, ça, ce trajet dont tu me parles? F2. Attends, en F2. Haut à gauche. T'as marqué. Ah, 1. OM1 et Microtech, d'accord. Voilà, mais tu dis. Mais t'expliques vraiment mal, hein. Indy, YouTube. Mais tu le dis que maintenant. En fait, tu peux mettre des étapes, en fait, c'est ça. En fait, par exemple, si tu cliques sur Microtech et que tu peux pas y accéder, et ben il va te faire des étapes mais, directement mais sur ton compte. Mais il l'explique mal aussi. Ouais, en gros, d'accord, j'ai compris. D'abord OM1, puis Microtech. C'est vrai que les pactages. D'accord, c'est comme ça que ça marche. Et en haut à gauche, c'est là où tu vois ton essence. Par exemple, là, ça te dit que t'as 582 de fuel. Ouais, avec ça besoin de 0,38, d'accord. Voilà, c'est ça. Et il dit ça que quand on est dans l'espace, prêt à mourir et à finir dans une game d'Among Us. Et je t'avais déjà dit la dernière fois. Oui, ce que je veux dire. Bon, allez, quand tu me vers Microtech, là. B, monsieur, B. B. Voilà, on est... Attends. Donc là, j'appuie sur B. Ah ok, Microtech, elle est là-bas. Quantum Drive. Ah, et Kiloro, ok, c'est bon, c'est ça. C'est parti. Ça rend bien, hein. On peut faire un accident comme ça, croiser un autre vaisseau? Non, je sais pas. J'ai pas essayé, je t'ai dit, mais normalement, je crois que tu sors forcément avec quelqu'un, je sais pas. Je suis top 3. Oh, bien joué. Oui, avec 15 joueurs. Les 15 meilleurs. Les 15 besties. Alors, nous on a 701 et 916. 701, il est là. Ouais. C'est cool quand même le où ils sont. C'est bien marqué sur F2, ça va. Ouais, enfin, faut que j'essaye de voir si on est du bon côté de la planète aussi. Attends, je déroule, il se passe rien du tout, vous avez vu? Clear route. Attends, je vais faire F2. Romain, il m'a dit, à chaque fois, on doit déroulette de la souris. Ah, voilà, ok. Donc là, vous voyez, donc ça, c'est le système solaire. Voilà, bon, battez-vous dans les commentaires si c'est pas ça, mais en gros, voilà l'idée. Donc là, on est dans le truc de Microtech. Juste avant, on était sur Cassiopée. Hop, double-clic sur Microtech. Double-clic. Voilà, vous voyez plus rien, c'est normal. MDR, bien sûr que non, c'est pas normal, voilà. Donc ça, c'est la planète où on veut aller. Alors, nous, on a par exemple 916. 916, il faut aller port machin, Tressier, là, Tressier, et descendre. Attends, 701, The Necropolis. J'ai vraiment du mal à me balader là-dessus, personnellement. Drop tu peux bouger package. Avec ZQSD. Ah, ok. Ah, nice. C'est pas mal, ça. Attends, alors du coup, nous, on a livré le 700. 751. Moi, je suis là, je peux quantum.
Attends, putain. C'est parti. Je suis fou paumé à chaque fois. Alors, normalement, David, est-ce que tu vois le port tressier? Le quantum là-bas? Attends, je vois que dalle là. Alors. Port tressier. Port tressier? Ouais. Pourquoi? Parce que en dessous, il y a le pactage 916. Ah ouais, port tressier là. Ouais, attends. Putain. Ouais, dessous, il y a le drop pactage 916. Oui, oui, non, mais ça, j'ai compris, mais c'est juste que. Attends, port tressier. Il est où, port tressier? Et de l'autre côté de la planète, peut-être, je sais pas. C'est un bordel à rotationner, hein. Je voudrais pas critiquer, hein. C'est pas mon style, mais. Ok. Ah, attendez. Là, c'est le. Non, c'est pas le 551 qu'on veut. Ah, c'est un new baggage. Ah, c'est là. Drop-off 701, ok. Ok, cette route. Shabby Mining SMD13, c'est ça? Ta-ta-ta. SMB13. Heureusement qu'on paye pas l'essence. SMB13. SMD13 701. Ok, c'est bon, je l'ai. On va sur SMO13 maintenant, sur Microtech. Mettez votre ceinture. Ok. Alors. Je me suis perdu. Je vois plus. Alors, du coup. W. J'appuie sur W. Package Office. Reste à côté, tant pis. J'avais un driving. On est bon. Alors, quand c'est que ça marche? Alors, quand j'appuie sur B, il veut pas. On peut plus re-overdrive là? Si, normalement, si. Je sais pas, il veut plus là. On avance pas, on est d'accord là. Ouais, il y a un truc que je pige jamais, c'est l'interface. En fait, j'arrive pas à voir comment je sais si j'ai lock un truc ou pas du tout. J'ai pas le bon chemin là? Attends, je regarde. T'appuies sur B déjà parce que là t'es pas sur B, j'ai l'impression. Ah mais normalement c'est pas censé m'afficher un truc visuellement? Ah si, ça fait un rond autour normalement. Et là, vous voyez que... Ah puis ils pouvaient pas faire des écrans plus grands, sérieusement, j'ai des lunettes, je vois que dalle, je suis obligé de zoomer dessus pour voir ce qui est écrit dessus. Système... Guns off, ça sert à rien les armes. On va faire l'amour et la paix nous. Ça c'est pas ça. Items. Items, je sais pas ce que c'est. Il y a plein de trucs, hein, mais c'est con, faut zoomer dessus pour voir ce que c'est. Vous allez me dire, oui, mais c'est réaliste. Et depuis quand tu vas dans l'espace, poteau? Bon, on va y arriver. Pas de raison. Bon, j'ai livré le premier colis. Ah, j'arrive pas du tout là, je comprends plus ce qu'on doit faire. Bah. Ouais, y a rien pour me guider, on est d'accord. Ok, ça c'est bon. Oh là, attends, ouais. J'essaie de regarder sur ton live, mais en fait, avec la planète toute blanche là, on voit plus rien. Là, 700, il est là. Ouais. Et là, quand tu fais B, ça fait quoi là? Ah, c'est bon, ça commence à revenir. C'est bon. Ok, je vais pouvoir quantum drive. Quantum drive. Voilà. Est-ce que c'est compliqué à comprendre le principe de... C'est normalement, nous, sur une carte, c'est limite, c'est une carte en 2D, quoi. Tu dois pas te dire, peut-être que c'est en dessous de la Terre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, tu dois réfléchir comme ça, et j'avoue que j'ai pas du tout l'habitude, et du coup, assez compliqué. Déjà, de base, le sens de l'orientation, j'en ai pas beaucoup. Mais c'est vrai que le fait de se dire... Parce qu'en fait, on le voit... Ouais, c'est bon. On voit sur le radar que c'est en face de nous, mais en fait, c'est en face de nous, de l'autre côté de la Terre. Donc, c'est pas tu prends la rue Clémenceau, tu tournes à droite et à gauche. C'est faut se mettre dans sa tête que
tu vas pas pouvoir faire un tout droit. Tu vas devoir faire le tour de la Terre pour taper de l'autre côté. Et c'est vrai n'en déplaise aux puristes, c'est pas forcément évident, évident à prendre en main au début. Vous savez, se dire... Enfin, je trouve pas ça... c'est pas compliqué, mais j'avoue que... Alors c'est bien, l'immersion, elle est incroyable. Hein. Mais c'est vrai beau, que... Hein. Ouais. Devoir se dire... c'est en face de moi, mais c'est pas en face de moi, parce que c'est de l'autre côté de la planète. C'est un peu... Attends. Du coup, vous êtes allé sur quel point, là? Attends, faut que je récupère mon axe, là. Là, on va au 701, là. Là, il y a le 916. Bah, il y a le 916 qui est là aussi. Ouais. Vas-y, bah, on y va direct. On va aller au 916, là, il est en face. C'est ça, il est en face, j'espère. Il est pas de l'autre côté, ce que je t'ai dit. Ah, il est de l'autre côté? Je sais pas, parce que 1600 km... Et où est le 700? Ah ouais, le 700, il est là-bas. Vas-y, ouais, on va y aller là-bas. Il doit être à l'autre, de l'autre côté. Par contre, ça rend vachement bien. C'est beau, hein? Ouais, ouais, c'est vraiment juste... Les paysages et tout. Regardez comment ça rend. Et c'est cool qu'ils aient laissé la vue F4 extérieure. Je trouve que ça fait tout, en fait. C'est comme sur Flight Simulator, vous savez. S'ils avaient bloqué la vue là... Oh, c'est joli de ouf, on dirait un matin de Noël. Ça me donne envie de revoir le film, tu sais, où ça fait encore une journée au paradis. Tu sais, où genre le mec, il gère des stations de radio, de relais de météo. Mmh. Et en fait, genre, sa meuf, c'est un droïde. Ouais, Oblivion. Ouais. Bah, ça me donne envie avec de revoir... Ouais, c'est ça. Il me ressemble vachement, en plus. Et ça me donnait envie de rejoindre... Pardon. Ok, on est d'accord. Vous êtes parti. Ouais, on est d'accord. Ouais, j'ai entendu. Vous êtes parti sur quel point, vous m'avez dit? Bon, 701. 701, ouais. Et du coup, ça me faisait un peu penser à ça. Et roulette de 200. Souris, c'est quoi du coup? C'est la vitesse max, c'est ça? Non, c'est le limitateur de vitesse, apparemment. Ah, c'est le limitateur de vitesse? Ouais, il me semble. Là. Bientôt le crash, comme vous êtes de mauvaise langue. J'appuie mais sur je N. Je suis pas arrivé à le mettre. Vous voyez, c'est un truc tout con, mais ce qui manque, c'est... Comment je sais que mon train d'atterrissage est sorti? Vous allez me dire, appuie sur F4. En bas à gauche. Ah bah... En bas à gauche. Non, quand t'es dans ton vaisseau, il y a marqué gear. Quand t'as le point blanc, c'est que ton train d'atterrissage est sorti. Quand il est plus en point blanc... Ah, ok, nice. Oh, ce vaisseau, il est beau, hein. Alors, attends, parce qu'il y a un peu de monde devant, là. Ah ouais. Les bons, vous allez lâcher le point ou pas du tout un jour là? Regardez le monde qu'il y a. Il y a une place en bas, juste en bas. À côté de celui qui vient d'atterrir. Vas-y. Putain, il y a des sapins de ouf, sa race en plus. C'est joli de fou, hein. Ouais, tu vois comme c'est beau. C'est vachement réaliste, mais dans le sens graphiquement, en fait. Puis là, en plus, j'ai mis le jeu en ultra, donc voilà. C'est beau, hein. On se fait rêver, on va avancer doucement. Ah, hydrogène fuel. Ça sert à quelque chose, l'hydrogène? Je pense pas, hein. Ah. C'est ton fuel, quoi. Non, je pense pas. Non, on est électrique, nous. J'ai mis des batteries de Tesla en série. Ça veut dire qu'on a plus de fuel? Non, il y a marqué 75%. Ah. Et on est vraiment... On est bien dans l'axe, hein, vous avez vu ça? Alors, je t'explique, si tu rentres dans le vaisseau à droite, là, le blanc, c'est 26 millions. Ouais, bah, je Est-ce t'explique. Est-ce que tu les as? Je t'explique aussi, t'as fait péter un de tes vaisseaux. Oui. Et en plus, tu peux même pas m'aider à gérer la descente et tout ça, donc, hein, voilà. Je hein. peux pas, parce que je peux pas faire F4. Je pourrais pas t'aider. Je me suis crashé, il faut que je passe mon permis vaisseau. Ouais, comment... Ouais, j'avoue, ça rend vraiment bien sa race, hein. Tuchino, on change pas une équipe qui gagne, Tuchino. C'est lequel? C'est le 700, ouais. Tuchino, vue première personne, on pose les bonbons. Tango Charlie Tango, posage de... Albator vient de se poser. Albator, posé. Bien joué, Team Z. Ça serait cool si Ilia pouvait vraiment avoir une incidence sur...
Peut-être un vaisseau plus gros, mais la flemme de mettre 300 euros dans le jeu pour ça. Oh le mec, le troller là, regardez-le avec son vaisseau spatial. Zou, mais zou d'ici vous. Ah je vais descendre, je vais... Ah je vais le démarrer. Je vais le démarrer comme on kick une 50. J'arrive toi, j'arrive, t'inquiète pas, et je vais le démarrer. Éloignez les enfants de la vidéo s'il vous plaît. Attends, je prends ma boîte là, je vais le démarrer. Il est fou là, il n'y a pas des règles dans cet univers là, des... C'est quoi ces gens là qui font tout et n'importe quoi, c'est pas RP en plus. On me dit qu'apparemment t'étais en auto, et que tu devais appuyer sur C, je sais pas... Ah, j'en ai aucune idée. Ouais. Aucune idée. Ah bon, c'est pas cette boîte? Ah oui, merde, putain, c'est vrai, il y a qu'une boîte. Ah putain, fais chier. Bon, je m'en fous, je la pose là. Voilà, je l'ai posée là. Eh, bouge pas, boîte, hein. Eh, vous avez raison. Ouais, c'est moi qui l'ai. Alors, il est où, celui qu'il faut démarrer, là? Where is he? C'est beau, hein. Oh, pourquoi il dropage mon vaisseau, là? Il twerk, vous avez vu? Allez, on va donner. Je suis beau, hein. Je suis beau, unbelieve. J'y crois pas comment je suis beau, unbelieve. En fait, j'ai pas de casse depuis tout à l'heure. Mec, pas fait zéro défaut. Ah, mais tu vas crever, non? Unbelieve. Ah non, là, on est sur une planète. Je suis beau. Non, ça va, il fait moins 7. C'est ton vaisseau, ça? Et il avait l'air beaucoup plus petit d'extérieur, tu vois. T'as qui que je... Ouais, de loin, bien sûr que oui. Oh, mec, t'as vu le vaisseau du viewer, là? Ah, mais oui, son carac, il est énorme. Je sais pas comment ça coûte un carac. C'est ouf. Donc ça, vous avez le petit vaisseau un peu nul. Un peu mieux. Et vraiment, le bazar. Ah, et c'est lui qui a un vaisseau à l'intérieur de son vaisseau? Le carac, je sais pas. Je suis pas assez pro du carac pour... Bon, décris-nous ce que tu fais, Lia. Parce que du coup, les gens, ils voient pas... Bah, ils me disent que c'est à 22, mais je le vois pas. Où c'est qu'il faut poser? Tu veux m'aider? Vas-y, ouais, j'arrive. En plus, ça rend vachement bien. Hein. Il fait beau de ouf et tout, c'est trop bien. Ça donne envie de faire un serveur RP sur Arma 3 avec une carte qui fait 300 km de long. Ah, attends, j'arrive, je vais le faire. Ouvrez! Je suis le capitaine! En connaissance vocale, vous connaissez. Bonjour! Capitaine Park, en rapport. Je viens livrer un colis. Ouais, vous pouvez me dépressuriser. J'ai l'habilitation. Ah, c'est pas là. Attends, j'arrive, on te voit. Tu vois où c'est? Attends. Et là, ils disent que c'est à 29 mètres. Drop off package. Là, non? Bah, je croyais. Attends, j'arrive. Je crois que c'est ici. Tu vas nous aider. Merci pour les follow, bienvenue à tous, les gars. 650 euros, tu l'as payé? Oh, mon dieu. Non. M'en voulais pas, mais c'est pas moi qui mettrais cet argent. Vas-y, bah, pose-le, je vais essayer. Vas-y. Attends. Bisous à ceux qui s'en vont, bisous. Oh génie, putain. Bienvenue. J'ai déposé comme une brique. Mes réacteurs sont allumés, merde. Ok. Apparemment c'est pas la bonne pièce, ce qu'on me dit. Ah. Faut trouver... C'est ici alors? Non, c'est pas là non plus. Alors, non, mais y'a pas un PNJ qui parle? Non, mais attends. C'est pas ici? Mais j'arrive. Non, c'est pas ça. Non, c'est pour recharger les batteries de la Tesla, ça, je pense. 43 mètres, ils disent. Peut-être c'est pas ici. À mon avis, ouais. Ah, j'ai pas appuyé sur K, vous êtes sûr? Attends, on se fait dépressuriser. Ouais. Ah, merde. Attends, pour de vrai, j'ai fait ça. Ah oui. Oh le boss! Ah, c'est pour ça que c'était un peu galère pour se poser. C'est derrière. Ah, si j'arrive. Vous voulez rire, Twitch? Je trouvais aussi. Bah, YouTube, pouce bleu, hein, on a quand même réussi, mais... c'est marrant que vous disiez ça. Je trouvais aussi que j'avais une poussée... Que ça poussait un peu. Ah ouais, je me suis posé en vitesse auto, ok. Talent, mesdames et messieurs. Le talent. Faut déposer dans une sorte de distributeur, ok Gogo. Bon, on va essayer de trouver ça alors. Juste ouvrir les yeux. J'arrive. Bien. On peut pas courir hein, dans ce jeu, c'est incroyable. Hein. J'aime beaucoup ici. Mais où tu peux courir? Et est-ce que... Comment?
Avec Mage ? Non, mais là, j'ai 25 kilos dans les mains, je t'assure que je cours pas. Bah, je monte la molette. Monte la molette. Ah, ok, ouais, je vais un peu plus vite. Nice. Romain, est-ce que tu sais si par la suite on pourra genre chercher des planètes, vivre dessus et tout ça ? Aucune idée. Je me pose pas des questions trop pointues, après, voilà. What can I do for you ? Celui qui veut la bombade, j'imagine ? Alors c'est quoi, c'est ici ? Ouais, ici non, ah, ouais. Shipping. Attends, je vois rien. Non, je crois pas que ça soit ça. Non, c'est pas ça. Ou c'est Oga alors ? Oui, je vous montre où c'est ou je vais chercher ? Attends, on va chercher. Et ici ? Ouais. Ah, si. Non, mais non, à tous les coups, c'est là-dedans, je pense. Ah, si, c'est ça. Là, ça va s'ouvrir, je mets la boîte dedans et c'est bon. Normalement. Bien joué. Yeah ! Bien joué. Alors, ah, c'était ici, d'accord. Waouh, c'est propre de ouf. C'est vraiment cool les petits écrans comme ça, ça rend vachement bien. Have a good day. Et mon argent ? On livre la dernière caisse. Ok. Ok, go. N'avant, Team Z. Attends, on a un paquet en fait, hein. On a tous, pas mis 650 euros dans son vaisseau, quoi, c'est tout. Il fait moins 8 ici, en fait, c'est habitable ici, ça va ? Ouais, j'avoue. Ouais. Comme dans le nord, en fait. Ouais, mais je préfère, ouais, c'est ça, mais je préfère aller dans le sud, tu vois. Ah, et là, on peut pas sauter, genre, comme sur l'autre planète ? Non, parce que là, il y a de la gravité. Ah, ouais. Toi, vu comment t'es lourd à chaque fois, hein, dans tous les cas, voilà, tu sautes pas très haut. Ça, mais... c'est la masse musculaire. Oui, bah oui. Au minimum. Ah, c'est sûr que quand tu fais 40 kilos tout mouillé, c'est pas prêt de t'arriver. Voilà. Ok, j'arrive. Ah, bah, écoute, vraiment, je t'en prie. Hein. Eh, vraiment. Je t'en prie, vraiment... tu peux venir. Hein. Je t'invite à bras ouverts. Geste barrière, tout ça. Sur quelle planète on est ? Voilà, hop, on pose ça. Place. Bah, c'était bien, première livraison. Wow. Attends, j'ai du pli ou j'ai pas du pli là ? Eh, il va nous foncer dedans. Quoi ? C'est pour ça que ça lag à fond ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ah, bah, je suis tombé du. Ah non. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a foncé dans ton vaisseau. Je vais voir dehors. je vais le défoncer. Non. C'est pour ça qu'il y a eu des flammes bleues partout. Pas fait exprès. Il m'a pété une aile. Attends, il y a une aile. Non. Si. Mais il est où ? Attends. Ah, il lui manque une aile, elle est là. Ah, c'est trop drôle, regardez. Ah, il nous a abîmé le vaisseau! Quel salaud! Ah, je savais même pas que ça pouvait s'abîmer! Putain, vous avez vu? Son aile, elle était à côté! Comment on sort une arme et on tire? Oh, merde, regardez! Oh, ouais. On voit vraiment! Et j'aurais pas dit que c'était possible! Dramax là! Oh là là, il y a toute l'aile qui est éclatée. Là, faut que j'aille voir le mécano. Là, il est vraiment dans la merde. Et il a touché quoi, notre bazar ? Il nous a éventré un truc ou pas ? Ouais, si tu regardes de l'autre côté. On est sur Microtech. Il y a l'autre, il va t'avaler ta race. Waouh ! Wow, ah bah c'est magnifique. C'est bon, ton aile, elle est... C'est quel truc que t'as touché ? Attends. Il y a pas des mécanos de l'espace ? Des dépannateurs de l'espace ? T'as plus de caisse sur le côté. Ah ouais, il nous a arraché les caisses. Ouais, c'est ça, non ? Ah ouais, peut-être. Ouais, il nous a éclataxe deux caisses avec son brin là. N'ayant 3000 heures de jeu et ça s'est pas décollé quoi. 3000 heures de jeu. Ouais, j'y vais. Bah, bisous YouTube. Pouce bleu, et puis voilà, choisissez bien les gens avec qui vous voulez, parce que
Il y en a certains, c'est que des voleurs. Ça veut dire quoi ça? Sur cette blague, on s'en sort là-dessus. Bisous. Ouais. Ah, c'est ça. Pensez à un pouce bleu, abonnez-vous. Excellente blague, excellente blague. Ouais, déjà avec les DP, ouais. Allez, n'avant, bye YouTube. Bisous. Je suis morte? Non, je suis morte. Yes. Pourquoi je suis morte? Cette vidéo se termine parfaitement bien en plus. Oh non, mais pourquoi? Yes. J'ai tous les butés. Bienvenue dans Among Us. Alors moi, j'étais Electrical. J'ai vu Roro sortir de la veine. Allez, salut YouTube. Oh là là.